Gilbert Fosu-Umbo a été élu à la direction du Fonds international de développement agricole pour succéder au Nigérian Kanayo Nwanze qui aura fait 2 mandats de 4 ans. Entre autres missions, le FIDA a pour objectif de contribuer à la résolution des problèmes alimentaires par l'octroi de prêts à bateaux pour financer l'agriculture locale des États. L'organisation œuvre pour ce faire avec différents acteurs, à savoir les populations rurales, les gouvernements, les donateurs, les ONG et d'autres partenaires. Cette nouvelle fonction est un défi à relever pour l'ex-premier ministre togolais élu face à 7 concurrents. Dans cette lutte sans merci, ma vision est simple. Il s'agit d'augmenter, de porter à échelle l'ensemble des activités de FIDA, avoir plus d'impact, plus de visibilité. Et vu que nous avons une grande demande au niveau des ODD, notamment l'ODD 1 et 2, et donc il faut porter à échelle les activités du FIDA. Et pour ce faire, il nous faut travailler sur plusieurs axes, notamment la productivité, l'accès des produits agricoles au marché, la technologie, les innovations. Le FIDA intervient déjà dans une dizaine de pays africains et le continent est le premier bénéficiaire du fonds. Le nouveau directeur entend augmenter considérablement le financement des opérations, contribuer à apporter des changements visibles aux conditions difficiles de vie des populations rurales du monde et potentiellement accentuer les actions sur le continent africain. Déjà présentement, parce que la moitié des activités du FIDA sont dédiées au continent africain. Et donc, le moins que l'on puisse attendre, c'est qu'on maintienne les mêmes proportions et, dans la mesure du possible, accélérer. Essentiellement, l'Afrique est, en termes de volume et d'impact, le premier client du FIDA. Précédemment directeur général adjoint de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Fosu-Umbo a occupé de nombreuses fonctions sur le plan international. Il prendra officiellement fonction le 1er avril 2017 comme 6e directeur général du FIDA.